Bon, on y est presque, donc on va lancer cette soutenance qui est publique. Alors, elle est publique au sens que donc on a un public sur YouTube. Donc ça va. Donc je vais commencer par présenter les membres du jury. La première personne de ce jury est Sylvie Treuillet, qui est maître de conférence à l'Université d'Orléans, elle fait ses recherches au laboratoire Prisme. Sylvie, si tu veux bien dire deux mots pour que les gens puissent voir ta visio apparaître. Oui, bonjour, je suis ravie d'être là, invitée. Je remercie les collègues de Clermont et Simon de m'avoir permis de participer à cette soutenance. Voilà. Merci. Le deuxième rapporteur est Damien Chabla, qui est directeur de recherche CNRS au LS2N. Dans les murs de l'école centrale de Nantes. Bonjour à tous. Alors, je m'excuse, j'ai le prénom de ma fille qui s'affiche sur le. Ouais, je sais pas. Je pensais m'être connecté avec mon nom. Donc, merci au Clermontois de m'avoir invité, et puis surtout à Simon, puisqu'on s'est rencontré plusieurs fois pendant sa thèse. Voilà, ensuite je vais passer la parole à Jean-Jacques Lemaire, qui est professeur. Universitaire, professeur praticien hospitalier à l'Institut, du moins au CHU de Clermont-Ferrand, et mène ses recherches au sein de l'Institut Pascal. Bonjour, donc je suis neurochirurgien, professeur de neurochirurgie. Bon, quelque part, vous verrez qu'il y a un petit lien dans tout ça. Merci en tout cas de nous permettre, Simon, de nous réunir. Je suis ravi de participer à ce jury. C'est un plaisir. On va voir maintenant la suite. Voilà, donc Jean-Jacques Lemaire est donc co-encadrant de cette thèse, ainsi que Chedi Bouzgarou, qui est professeur à Sigma Clermont et qui mène ses recherches également à l'Institut Pascal. Okay. Bonjour. J'ai de l'Ibouzgarou, donc je suis très heureux de participer à cette soutenance et de participer à ces travaux. Merci Chedi. Et donc cette thèse était dirigée par Thierry Château, qui est professeur à l'Université Clermont-Auvergne et qui est aussi chercheur à l'Institut Pascal. Merci, bonjour à tous et bon, il faut laisser la parole à Simon donc, maintenant. Voilà, donc moi je vais juste dire que je suis Nicolas Andreff et que j'exerce à l'Université de Besançon, l'Université de Franche-Comté, et que je mène mes recherches à l'Institut FemtoST. Et donc maintenant, comme l'a dit Thierry, on est là pour écouter Simon Kirchhoffer qui va nous présenter ses travaux de thèse sur la conception d'une prothèse bio-inspirée commandée par réseau de neurones exploitant les signaux électromyographiques. Donc Simon, tu as à peu près 45 minutes pour nous présenter tes travaux à l'issue de cette période-là. Nous te questionnerons et entamerons une discussion scientifique avec toi. Alors, je demande à tout le monde de couper son micro. Très bien, merci beaucoup pour ces présentations. Chers jurys, chers collègues, chers amis et chères familles, et chers YouTube, merci d'avoir accepté cette invitation à ma soutenance de thèse. Le sujet s'intitule Conception d'une prothèse bio-inspirée commandée par réseau de neurones exploitant les signaux électromyographiques. Elle a été dirigée par Thierry Château et co-encadrée par Chedi Bouzgarou et Jean-Jacques Lemaire. Commençons par un petit peu de contexte. En France, il y a un petit peu plus de 37 000 amputés et 3 000 nouvelles amputations par an pour entre 12 et 15 000 personnes qui s'équipent d'une nouvelle prothèse. Ce sont les chiffres pour des amputations du membre supérieur et inférieur confondus. Les amputations du membre supérieur représentent environ 5% des amputations. L'impact sur le handicap est d'autant plus important que l'amputation est proximale. En tout cas, qu'elle soit d'origine congénitale ou acquise, l'absence d'un membre supérieur rend considérablement plus difficiles les gestes de la vie quotidienne et de la vie professionnelle. Quelques chiffres sur l'utilisation de prothèses en France. La grande majorité des amputés transradiaux, c'est-à-dire au niveau de l'avant-bras, sont appareillées, alors qu'on descend à moins d'un tiers des amputations transhumérales, c'est-à-dire au niveau du bras, dotées d'une prothèse. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un quart des amputés utilisent leur prothèse en permanence, environ 50% de manière plus ou moins régulière, et 25% des personnes appareillées ont abandonné l'utilisation de la prothèse, car son utilisation est jugée trop complexe et la prothèse est souvent difficile à appréhender. Il y a plusieurs types de prothèses qui existent, on en comptabilise surtout trois. La prothèse esthétique, qui permet de mieux vivre son handicap en société. Elle est discrète et présente peu de mobilité. On a la prothèse mécanique, qui est actionnée par des mouvements du corps
Elle est conçue sur mesure pour exécuter des tâches précises, des tâches spécifiques, souvent des tâches professionnelles. Et la prothèse myoélectrique, qui utilise des signaux biologiques que génèrent les muscles, les signaux électromyographiques, ou EMG, pour commander l'actionnement d'un effecteur. C'est des prothèses qui sont donc dotées d'actionneurs dans la prothèse. À noter qu'environ 50% des amputés en France du membre supérieur disposent d'une prothèse myoélectrique. Alors, c'est le dispositif que nous allons approfondir aujourd'hui, dispositif qui présente des limites de deux catégories. La première, c'est l'échange entre la prothèse et l'utilisateur, hein, dans un sens pour récupérer l'intention pour générer les signaux de commande de la prothèse, et dans l'autre sens pour proposer un retour d'information pour pallier à la perte d'un sens qui est le toucher. Ensuite, on a également des limites mécaniques. Si on veut un actionneur électrique qui a la même puissance qu'un muscle de l'avant-bras, on aurait un actionneur qui est trop lourd et trop volumineux pour être intégré dans une prothèse, qui est un dispositif embarqué. Également, la majorité des prothèses myoélectriques utilisent l'énergie électrique exclusivement, qui pose un problème d'encombrement de batterie. Face à ces deux problématiques, nous avons réalisé des contributions. Les premières, autour de l'interface homme-machine, nous avons estimé les mouvements de la main à partir des signaux électromyographiques grâce à des réseaux de neurones. Et pour cela, nous avons créé une base de données pour entraîner des algorithmes d'apprentissage. Dans un second temps, nous avons conçu une architecture de main bio-inspirée sous-actionnée à raideur variable. L'objectif, c'est de réduire au maximum le nombre d'actionneurs, tout en conservant des fonctions clés de la main, en particulier la maîtrise de la cinématique et de la rigidité de la structure. Commençons par aborder l'étude de la main biologique. Cette partie nous apportera les connaissances nécessaires à la conception d'une main robotique et de l'interface homme-machine. Dans un premier temps, la main, c'est une structure mécanique via le système osseux. La main, elle est constituée de 27 os qu'on va considérer comme des solides indéformables, 5 doigts, 4 doigts longs à 3 phalanges et le pouce qui n'a que 2 phalanges mais qui n'est pas en reste d'un point de vue cinématique car son métacarpe est très mobile. Les liaisons entre les os sont communément appelées les articulations. Pour comprendre les mouvements admissibles au sein de ces articulations, nous allons étudier deux choses. La première, c'est la surface de contact au niveau de l'interface du cartilage. Et la deuxième, c'est les ligaments qui bloquent certains degrés de liberté. Donc voilà un exemple d'étude, celle du poignet. La poignée, elle est constituée de deux rangées de carpes. La première rangée de carpes, elle est en lien avec les os de l'avant-bras, avec des surfaces de type ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elles permettent 2 degrés de liberté. Quand on regarde entre la première et la deuxième rangée de carpes, là c'est plus compliqué, on a une interconnexion assez complexe de ces deux rangées de carpes qui limite les mouvements et donne sa stabilité à la main. Donc au final, on se retrouve avec un modèle cinématique du poignet et de la main. Modèle cinématique qui a des hypothèses, la plus forte, c'est que les mobilités passives ne sont pas représentées. Une mobilité passive, c'est un mouvement de faible amplitude qui n'est réalisable que par l'intervention d'un effort extérieur. Par exemple, la torsion des doigts longs, donc la pronation-supination des doigts longs, n'est pas prise en compte. Maintenant qu'on connaît la cinématique, il va falloir comprendre comment est actionnée cette cinématique. Elle est actionnée via les systèmes musculaires, divisés en deux parties, les muscles intrinsèques et les muscles extrinsèques. Les muscles extrinsèques, c'est les muscles qui sont au niveau de l'avant-bras, c'est les muscles les plus volumineux, ils sont responsables de la génération des mouvements du poignet et des saisies en force, donc de fournir la puissance pour réussir les saisies. Ici, j'ai décidé de vous montrer le compartiment superficiel de la loge postérieure et le compartiment inférieur de la loge antérieure pour visualiser deux propriétés importantes. La première, c'est la ramification tendineuse. On le voit au niveau de l'extenseur des doigts à gauche en jaune. La ramification tendineuse, c'est au niveau du muscle, une structure tendineuse qui permet d'actionner plusieurs articulations avec un seul muscle. Ici, on actionne plusieurs doigts, les 4 doigts longs, et en même temps, on actionne plusieurs articulations sur chaque doigt. C'est la même chose au niveau du fléchisseur profond des doigts en bleu à droite. On voit une ramification tendineuse qui actionne les 4 doigts longs simultanément. La deuxième propriété importante, c'est le positionnement antagoniste de certains muscles. Encore une fois, pour l'extenseur des doigts et le fléchisseur profond des doigts, on a, en cas de contraction simultanée de ces muscles, ils sont antagonistes, ils permettent uniquement de modifier la raideur de la structure et ils ne génèrent pas de mouvement. C'est ce qu'on appelle la co-contraction. Donc, dans un deuxième temps, on a aussi les muscles intrinsèques. Au niveau des muscles intrinsèques, j'en définis à peu près deux types. Des muscles comme le muscle de l'éminence ténard qui permettent de générer le mouvement d'articulation
un exemple, l'opposant du pouce en vert sur l'image de gauche, il permet de mettre le pouce face à la paume pour réaliser des saisies palmaires. Et ensuite, on a les muscles, comme les muscles interosseux, dorsaux et palmaires, qui sont là pour découpler les articulations qui sont couplées par les muscles extrinsèques. Ça permet de casser des synergies qui sont induites par les muscles extrinsèques, et c'est eux qui sont responsables de la motricité fine. Voilà. Il nous manque un dernier point maintenant dans l'étude de la main, c'est la transmission d'informations. Elle est réalisée via le système nerveux périphérique. L'organe terminal du système nerveux périphérique, c'est le motoneurone. Le motoneurone, il est doté de dendrites qui viennent récupérer l'information en amont de la chaîne d'information. L'axone qui transmet l'information sous la forme d'un influx nerveux. Et enfin, les terminaisons axonales qui sont connectées aux muscles et qui permettent d'envoyer l'information de contraction. Cet influx nerveux, quelle est sa forme? C'est une forme de potentiel d'action. C'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. C'est un pic, une impulsion électrique qui est due à un changement de l'équilibre ionique entre des ions sodium et potassium. Donc, au sein de la cellule, on a des canaux ioniques qui permettent des échanges d'ions, déplacements d'ions qui créent des variations de potentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les potentiels d'action, ils ont toujours la même forme pour un motoneurone donné. Ce qui change, c'est la fréquence d'apparition. Plus un potentiel d'action apparaît souvent, plus la contraction musculaire est importante. Donc un motoneurone, il peut alimenter une ou plusieurs fibres musculaires. Comme un muscle est composé de multitudes de fibres musculaires, on a plusieurs motoneurones qui contrôlent la totalité du muscle et qui sont agglomérés au sein des nerfs. Donc en conclusion de cette partie, nous avons étudié la main, nous avons vu que c'est un système multicorps rigide avec un actionnement via le système musculaire et une commande via le système nerveux périphérique. Les éléments importants à retenir, c'est le positionnement de certains muscles dans l'avant-bras et d'autres dans la main, la ramification des muscles de l'avant-bras qui permet de contrôler plusieurs articulations simultanément, c'est ce qu'on appelle la création des synergies, et on a aussi un contrôle de la raideur de la structure avec la co-contraction. Maintenant, nous allons voir comment extraire l'information à partir du système nerveux périphérique pour créer une commande de prothèse active. Dans cette partie, nous aborderons l'acquisition d'un signal biologique destiné au contrôle de prothèse, ainsi que l'estimation de l'intention de mouvement à partir de ce signal. Pour commencer, il faut se demander où se placer pour récupérer l'information. On peut imaginer au niveau du système nerveux central, avec des électrodes de type EEG, l'électroencéphalographie. C'est une solution qui n'est pas invasive car elle est en surface, mais elle ne permet pas un débit d'information suffisant. En ordre de grandeur, on est capable avec de l'EEG de récupérer environ 15 mots par minute. Ce n'est pas suffisant pour avoir un contrôle de la motricité fine. On a des solutions plus invasives, donc installées sous la peau, qui ont des débits plus élevés, mais des problèmes de stabilité temporelle. On peut les implanter quelques semaines, voire quelques mois, mais ces électrodes ont tendance à se détériorer, et ils détériorent également les tissus environnants. Donc on n'a pas une possibilité d'implantation à long terme. Au niveau du système nerveux périphérique, on visualise à peu près les mêmes problèmes. On a des solutions plus ou moins invasives avec l'EMG, l'électromyographie, en surface ou à l'intérieur des muscles, et des électrodes neuronales, qu'elles soient extra-neuronales ou intra-neuronales. Encore une fois, les mêmes phénomènes. Les solutions invasives qui permettent un débit d'information plus élevé, elles ne sont pas stables dans le temps, malgré un meilleur débit d'information. Donc, on va se focaliser pour la suite sur la solution électromyographie de surface ou SEMG. Comment, à partir de cette électromyographie de surface, on est capable de générer une commande et une estimation de l'intention? Alors, la solution la plus développée aujourd'hui, c'est la classification de mouvement. On positionne des électrodes électromyographiques de surface sur l'avant-bras d'un sujet. C'est les ellipses de couleur qu'on voit à gauche sur l'avant-bras. Et en même temps, la personne reproduit des mouvements qu'elle voit sur un écran. Il n'y a pas d'acquisition cinématique, c'est uniquement une hypothèse de mimétisme. La personne reproduit les mouvements. Cette mesure EMG, du coup, elle a un mouvement qui est associé, elle a un geste associé. On est capable de faire le lien entre les deux avec des algorithmes d'apprentissage machine. Donc cette estimation, elle peut être utilisée pour recopier le geste sur une prothèse active. Donc les algorithmes de machine learning ont besoin de bases de données pour réaliser des apprentissages. La plus utilisée aujourd'hui, c'est la base de données NINAPRO. Il y a une liste des mouvements qui est prise en compte, qui est extrait de différentes bases de données de la littérature qui avaient chacun des défauts. Soit ils n'avaient pas assez de mouvements, soit c'était des bases qui étaient privées. Le développement de la base NINAPRO, c'est une nouvelle base qui a pour objectif de servir de base de référence pour entraîner des algorithmes de classification de mouvements.
Voilà un exemple de performance en classification qu'on peut attendre. On voit différents algorithmes comme des supports vecteurs machines, des forêts aléatoires, avec différents choix de features. À noter que les performances, pour à peu près les meilleures performances qu'on peut attendre en classification, c'est de l'ordre de 80%, et c'est des bons résultats. C'est exploitable pour faire de la commande de prothèse. Récemment, il y a d'autres algorithmes type réseau de neurones qui ont prouvé des bons résultats. Ici, c'est l'histogramme en jaune CNN pour Convolutional Neural Network à droite. C'était, dans le cas de cette publication en 2016, un peu les balbutiements du réseau de neurones pour le traitement électromyographique. Mais depuis, dans la littérature, on trouve des réseaux de neurones qui surpassent les performances des autres algorithmes de classification. Donc, c'est des solutions qui marchent bien. On peut faire de la classification, mais la classification, elle a ses limites. On a, pour commencer, un nombre de gestes qui est restreint. C'est-à-dire qu'on ne classifie que les gestes qui sont dans la base de données. De plus, on a une logique qui est tout ou rien. C'est-à-dire, on a un mouvement ou on n'a pas de mouvement. Depuis les années 90, les chercheurs en contrôle de prothèse, ils tentent de développer des commandes continues qui ne sont pas tout ou rien. Notre objectif, du coup, ça va être d'extraire l'intention de l'utilisateur pour proposer une estimation plus continue du mouvement. C'est pourquoi nous avons réalisé un nouveau type d'algorithme d'estimation du mouvement. On ne veut plus faire de la classification de gestes, mais de la régression de coordonnées articulaires, c'est-à-dire de la régression d'angle des articulations. En utilisant une mesure de la cinématique de la main via une caméra stéréoscopique, qu'on va coupler à un enregistrement EMG, on va entraîner des algorithmes d'apprentissage, des algorithmes de réseau, type réseau de neurones pour pouvoir estimer les mouvements. Il n'y a pas de base de données existante qui comprenne des mesures cinématiques exploitables. C'est pourquoi nous avons décidé de développer une nouvelle base de données. Cette base de données elle est réalisée pour l'instant avec 12 sujets et 5 enregistrements par sujet. Le premier enregistrement il est au repos, il sert de calibration. Nous avons 2 enregistrements de mouvements libres. L'objectif, c'est aussi de visualiser la vitesse et les angles articulaires atteints. On peut en déduire 2 choses. La première, c'est les synergies naturelles, sans contrainte, et les limites de l'espace de travail, c'est-à-dire les amplitudes et les vitesses et positions classiques des mouvements qu'on réalise sans contrainte. Les derniers enregistrements, ils se focalisent sur des mouvements classiques qu'on retrouve dans les autres bases de données, type la base NINAPRO. Pour réaliser cette base de données, donc nous avons un LeapMotion qui est une caméra stéréoscopique et un MIO qui est un bracelet électromyographique. Les flux de ces 2 capteurs sont enregistrés via la bibliothèque ROS dans des fichiers ROSBAG qui sont mis en open source sur la plateforme GitHub pour servir de base de référence pour la communauté. Ensuite, nous avons implanté un code C++ pour calculer les coordonnées articulaires à partir des données de la caméra. Ensuite, nous avons synchronisé ces données grâce aux headers temporels qui sont présents dans les enregistrements. Et enfin, l'ensemble des données générées est utilisé pour nourrir un algorithme d'apprentissage machine. L'objectif, c'est de l'entraîner. Nous avons décidé de développer des algorithmes type réseau de neurones en accord avec les performances soulignées par la littérature. Le modèle cinématique, il a un peu changé par rapport à la première partie. Nous avons retiré quelques degrés de liberté, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que c'est des degrés de liberté qui ne sont pas nécessaires pour des opérations de préhension, elles ont des amplitudes qui sont beaucoup trop faibles et on n'en a pas besoin pour réaliser des saisies. Et la deuxième raison, c'est que ces degrés de liberté ne sont pas présentes dans les prothèses actuelles, nous le verrons dans la troisième partie. En fait, l'esprit, c'est toujours de réduire le nombre d'actionneurs, de faciliter la commande et de diminuer la masse. Donc on ne va pas prendre en compte les articulations, enfin, les mouvements, les degrés de liberté des articulations qui ne sont pas nécessaires à la préhension. Pour le pré-traitement électromyographique, avant de rentrer le signal dans le réseau de neurones, nous n'avons pas fait d'extraction de features. C'est en accord avec l'état de l'art. L'intérêt du réseau de neurones, c'est de rentrer le signal électromyographique brut et le réseau de neurones s'occupe de son filtrage. Donc, nous avons juste pris une fenêtre temporelle sur chaque canal électromyographique. Nous avons concaténé ces canaux pour réaliser des signaux sous forme d'images. Ce choix il est bien justifié par l'utilisation de réseaux de neurones convolutifs qui sont bien adaptés au traitement d'images. Donc en résumé, on va se retrouver en entrée avec une matrice 10 par 8, 8 car on a 8 canaux électromyographiques et 10 pour les 10 échantillons. Nous avons besoin d'une cohérence temporelle de 200 millisecondes. Le signal électromyographique est à 50 Hz, ça nous donne 10 échantillons. Et en sortie, on a nos 18 coordonnées articulaires à estimer. Les algorithmes de réseau de neurones qui ont été sélectionnés, on en a gardé 3. Un réseau convolutif qui donne habituellement de très bons résultats pour des opérations de classification. Nous avons juste modifié
les couches de sortie pour avoir une régression, puis deux réseaux, un réseau dense et un réseau récurrent, bien plus modestes en dimension. L'objectif, d'après nous, c'est que ça a du sens d'avoir des réseaux qui sont de dimension bien plus faible, car notre fréquence d'acquisition électromyographique, elle est bien plus faible que dans les autres bases de données. Donc on n'a pas besoin des premières couches d'extraction de features, d'extraction de caractéristiques, car nous, nous avons besoin de toute l'information du signal. Donc l'extraction de features, d'après nous, elle sera superflue. Voilà un type de résultat qu'on peut voir sur de l'estimation. C'est un type de reconstruction. À gauche, on a la mesure cinématique au niveau de la caméra stéréoscopique. Et à droite, on a l'estimation réalisée par le réseau de neurones. On peut noter plusieurs choses, à commencer par le bruitage. On a quand même des variations de l'estimation assez mauvaises, mais un bruit qui dépend de la position. Dans des positions, quand on arrive en butée articulaire, main complètement ouverte, main complètement fermée, flexion complète du poignet, extension complète du poignet, on a des positions qui sont plutôt stables et du bruit qui est dans des positions où l'utilisateur a généré de la co-contraction. Cette co-contraction, en fait, elle vient brouiller l'estimateur et elle génère le réseau génère de l'erreur, génère un signal avec de l'erreur à cause de la co-contraction. Pour quantifier un petit peu ça, nous avons ici quantifié l'erreur de reconstruction pour deux jeux de données. Le premier jeu de données, c'est données de test de la base d'apprentissage, c'est-à-dire que nous avons sélectionné 11 sujets et scindé la base de données en trois parties, une partie d'apprentissage et une partie de validation pour l'entraînement, et une partie de données de test pour valider les performances de l'estimation. Ensuite, nous avons testé sur le 12e sujet qui n'est pas passé dans l'apprentissage pour vérifier que le modèle appris est généralisable. Notons que les couches d'extraction de features du réseau convolutif, ici, elles sont préjudiciables à la reconstruction, car le réseau CNN a une erreur qui est plus grande que les réseaux que nous avons développés. Donc, étant donné le débit d'information, nous pouvons conclure qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un réseau trop volumineux dans ce cas d'utilisation. Maintenant, regardons l'histogramme des erreurs en fonction des articulations. On voit que l'erreur, elle va dépendre de l'articulation. Le poignet est bien reconstruit. C'est un résultat que nous attendions, car le poignet est uniquement actionné par des muscles de l'avant-bras et pas par les muscles de la main. Les muscles intrinsèques de la main, ils ne sont pas mesurés par notre bracelet électromyographique. Et on peut noter que plus une articulation est distale, plus l'erreur est grande. Donc on a plusieurs raisons pour ce résultat. Le premier, c'est les muscles intrinsèques qui viennent découpler des synergies et qui ne sont pas mesurés par le bracelet électromyographique. Donc ils sont générateurs d'erreurs. On a également des problèmes à capter des muscles profonds au niveau de l'avant-bras car on a de l'électromyographie de surface. Et enfin, on peut noter du crosstalk à partir de la répartition des capteurs au niveau de l'avant-bras. Donc pour illustrer encore un peu plus ces résultats, voici des courbes représentant l'évolution temporelle des angles de flexion du poignet à gauche et de la flexion interphalangienne proximale à droite. C'est l'interphalangienne proximale de l'index. L'estimation est en bleu et la mesure est en rouge. Pourquoi ces deux résultats côte à côte ? Le poignet représente à peu près les meilleures performances de reconstruction, alors que l'interphalangienne proximale de l'index, les plus mauvais résultats. On voit que le signal du poignet il est plutôt bien reconstruit, avec une estimation qui suit la forme du signal, malgré une erreur et des bruits. À droite, on voit que ça dépend. En fait, avant 17 secondes, le sujet a réalisé des ouvertures et des fermetures de main en accord avec les synergies, et dans ce cas-là, le réseau réussit à reconstruire. À partir de 17 secondes, le sujet a plié l'index, mais n'a pas plié les autres doigts. Il a découplé les synergies grâce aux muscles intrinsèques, ici en particulier les muscles interosseux. Et comme on n'a pas de mesure de ces muscles interosseux, l'estimateur ne sait pas que les synergies ont été découplées et on se retrouve avec une erreur d'estimation. Nous pouvons regarder ce type de courbe également pour le sujet qui est hors de la base d'apprentissage pour voir si il est possible de généraliser à plus de sujets. On a la même forme des courbes avec une erreur moyenne qui est un peu plus importante. Encore une fois, on voit à droite, surtout au niveau de l'index, une reconstruction qui n'est pas fiable. On voit que l'index suit partiellement les formes de la mesure avant 18 secondes, puis l'estimateur est assez loin de la vérité terrain.
Donc, en conclusion de cette partie, nous avons abordé l'estimation de mouvement par traitement électromyographique avec deux principales contributions à souligner. C'est une base de données de référence pour tester et évaluer des algorithmes de régression de coordonnées articulaires. Et enfin, le développement d'algorithmes de réseaux de neurones afin d'estimer les mouvements. Une estimation de mouvement qui n'est plus une classification de mouvement, mais une régression de coordonnées articulaires. Donc, nous avons maintenant des signaux de commande. Je vais maintenant vous présenter nos développements autour de la conception d'une main robotique bio-inspirée. Donc, les mains robotiques, en particulier les prothèses myoélectriques, voici les quatre principales prothèses du marché. Trois prothèses de main et une prothèse, la prothèse Michelangelo, qui comprend également la partie avant-bras. Toutes ces prothèses ont à peu près des structures de doigts identiques, des structures à deux phalanges, sauf pour la main Michelangelo qui n'a qu'une seule phalange. Et on visualise un couplage cinématique des liaisons métacarpophalangiennes et interphalangiennes qui nous donne en résultat que ces structures ont un unique degré de mobilité. Comment ce degré de mobilité est actionné ? La plupart du temps, via des moteurs de petite dimension qui sont logés dans la phalange proximale. Des moteurs de petite dimension couplés à des rapports de réduction élevés pour avoir suffisamment de couple pour réaliser des opérations de saisie, souvent réalisées via des liaisons, des systèmes roues et vis sans fin. L'objectif, c'est également d'avoir un système qui est irréversible pour maintenir des positions sans consommation d'énergie. La main Michelangelo fait encore figure d'exception ici, car elle a un unique moteur au niveau de sa paume de main qui actionne simultanément tous les doigts. Un tableau récapitulatif des performances et des caractéristiques de ces prothèses. Je vais vous aider à le lire. On va regarder, pour commencer, l'ordre de grandeur des puissances moteurs. On est sur de l'ordre de 1 watt par doigt, donc 1 watt par moteur, sauf pour la main Michelangelo, qui, encore une fois, fait figure d'exception avec son unique moteur de 70 watts. Mais au niveau des performances cinématiques et dynamiques, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur. Les performances cinématiques, c'est environ une seconde pour une vitesse d'ouverture et de fermeture de main. Alors ça, c'est trop d'après les utilisateurs de prothèses. Ils préféreraient une ouverture et une fermeture qui soient au moins trois fois plus rapides. Donc ça, nous en prendrons en compte dans la génération de notre cahier des charges. Nous avons également les efforts de saisie qui se situent entre 60 et 80 newtons. Là encore, le retour d'expérience utilisateur nous dit que c'est suffisant dans la plupart des cas. Donc nous prendrons également ça en compte dans la génération de notre cahier des charges. Pour terminer, un petit mot sur les masses. Les mains sont généralement autour de 500-600 grammes. Encore une fois, par retour d'expérience, c'est trop. Il faudrait idéalement viser 400 grammes, et c'est ce que nous mettrons dans notre cahier des charges. Et comment diminuer cette masse ? Une solution pour atteindre cette contrainte, c'est le sous-actionnement. Un mécanisme est dit sous-actionné lorsqu'il utilise moins d'actionneurs qu'il ne compte de degrés de mobilité. Depuis une vingtaine d'années, la recherche se focalise sur le développement de structures sous-actionnées. Une structure sous-actionnée, ça permet d'actionner plusieurs degrés du coût de mobilité simultanément, ce qui permet une réduction du nombre d'actionneurs. Réduction du nombre d'actionneurs, donc réduction de la masse et de la complexité de la commande. Néanmoins, l'utilisateur a du coup moins de contrôle de la cinématique et de la répartition d'efforts. Celle-ci est dictée du coup par la conception. Nous pouvons distinguer trois types de sous-actionnement. Le sous-actionnement différentiel. L'objectif, c'est de répartir les efforts entre les articulations. Ici, on a l'exemple d'une main à 15 degrés de mobilité avec un seul actionneur. Sur l'image de droite, nous voyons le câble vert, qui est le câble moteur, qui vient tirer sur deux brins du câble bleu, qui tire sur quatre brins du câble rouge. C'est une ramification de câble qui permet d'actionner toutes les rotations des quatre doigts longs simultanément. Nous avons également le sous-actionnement compliant, où là, la répartition des forces se fait via des déformations élastiques. L'exemple ici de la main TBM, qui actionne 5 flexions de doigts, avec la translation d'un seul corps rigide actionné par un moteur. Et pour terminer, le sous-actionnement à déclenchement, c'est une cinématique par étapes, c'est-à-dire qu'on va actionner une à une les articulations. Donc un exemple ici avec un doigt à deux phalanges, la phalange distale ne commence sa flexion que lorsque la phalange proximale est en contact avec l'objet à saisir. Donc peu importe le type de sous-actionnement, le problème du sous-actionnement, c'est que quelle que soit sa forme, il ne permet pas de faire varier la raideur de la structure. Alors que c'est une fonction qui est présente chez la main biologique, c'est-à-dire être capable non seulement d'être sous-actionné, mais aussi de faire varier la raideur. Et nous voulons garder les avantages du sous-actionnement en rajoutant la possibilité de faire varier la raideur.
Alors, c'est ambitieux car c'est fortement contre-intuitif. Le contrôle de la raideur, ça demande d'utiliser un actionneur supplémentaire pour contrôler la rigidité. On peut voir ça un peu comme du suractionnement. On rajoute des actionneurs pour avoir un contrôle supplémentaire. Alors que le sous-actionnement, il tente de réduire au maximum le nombre d'actionneurs. Alors, on a quelques exemples dans la littérature de doigts sous-actionnés à raideur variable. Ici, un doigt actionné avec un VSA, pour Variable Stiffness Actuator, un actionneur à raideur variable. On a un seul VSA pour contrôler 2 degrés de mobilité. Seulement, si on se plonge un peu dans le fonctionnement du VSA, on voit ici qu'on a 2 actionneurs dans le VSA. Et donc, le bilan global de ce doigt, c'est 2 actionneurs pour 2 degrés de mobilité. Rigoureusement, on est hors de la définition du sous-actionnement. De plus, nous souhaitons une conception la plus anthropomorphique possible. Et dans notre cahier des charges, on va imposer un doigt qui a 3 phalanges. Alors voilà un doigt sous-actionné à 3 phalanges à raideur variable. Ici, on a une structure qui est proche d'une structure à câble, c'est-à-dire qu'on va tirer sur le câble en rouge sur l'image de gauche pour actionner les 3 flexions des 3 articulations du doigt. Et il est ajouté des manchons électrostatiques au niveau des articulations. Quand ces manchons sont alimentés, ils génèrent une force de friction qui entrave le mouvement et augmente la raideur de la structure. Donc encore une fois, on a un manchon par articulation, ce qui fait 3 manchons, plus l'actionneur du câble, ça fait 4 actionneurs pour 3 degrés de mobilité. On ne peut plus vraiment parler de système sous-actionné. Donc notre objectif, ça va être d'essayer de concevoir un système bio-inspiré sous-actionné à raideur variable. Les principales caractéristiques du cahier des charges que j'ai évoquées jusque-là, elles sont résumées dans le tableau ci-dessous. Nous avons construit notre cahier des charges suivant 3 axes. La première, c'est la cosmésis. La cosmésis, c'est la cosmétique statique, cinématique et dynamique. En résumé, la main, non seulement elle doit ressembler à une main, mais elle doit aussi se comporter comme une main biologique. Nous avons également les fonctions à réaliser avec la main, en particulier les opérations de saisie, et la contrôlabilité qui rejoint la partie précédente sur la génération de commandes, le contrôle de la cinématique et de la raideur. Afin de remplir ces objectifs, nous avons développé une nouvelle architecture de doigts. Donc, là, nous avons réalisé une structure sous-actionnée à câble antagoniste inspirée de la ramification tendineuse des muscles extrinsèques. En haut, on voit le modèle cinématique, une structure série avec 3 solides et 3 liaisons pivots. Et en dessous, on voit le routage des câbles. Le routage des câbles, le câble de flexion en rouge et le câble d'extension en bleu. Maintenant, l'enjeu, quand on va développer ce modèle, c'est de garantir que la cinématique et la raideur sont non seulement contrôlables, mais aussi indépendantes. Comme pour la partie cinématique, les effets dynamiques sont négligés, nous avons réalisé une analyse cinématostatique. Si la configuration de routage est symétrique par rapport à la fibre moyenne, le résultat, c'est que les coordonnées articulaires, elles vont être les Q indice I, ils sont proportionnels à la différence de tension, la tension de flexion moins la tension d'extension, TF moins TE. Ce qui veut dire que les angles articulaires, ils sont également proportionnels entre eux. Les Q indice I sont proportionnels entre eux. Donc, on a ici le comportement souhaité. Pour le contrôle de la raideur, nous avons rajouté un torseur des actions extérieures tau en bout de doigt et nous avons exprimé la variation des coordonnées articulaires delta Q. Notre but ici, c'est de faire varier leur relation entre tau et delta Q, et ce n'est possible qu'avec une variation du paramètre K indice C, la raideur équivalente des câbles, qui n'intervient pas dans la cinématique. Si la raideur K indice C n'est pas constante, c'est-à-dire qu'elle dépend de la tension TF et TE, alors il est possible de modifier la raideur de la structure. Et en conclusion de ces 2 diaporamas, il est possible de contrôler indépendamment la cinématique et la raideur. Néanmoins, nous n'avons pas le contrôle de toutes les mobilités, c'est le principe du sous-actionnement. Comment assurer alors que la cinématique sous-actionnelle soit en accord avec les synergies? Comment valider la contrainte de cosmésis de notre cahier des charges? Pour cela, nous avons réalisé une optimisation des paramètres de conception. Nous avons un vecteur d'optimisation qui contient les paramètres géométriques, position des poulies, les diamètres, mais également les raideurs de ressorts de rappel. Et nous avons ajouté des tensions de commande pour en même temps optimiser les paramètres de conception et la commande, les tensions de commande pour une liste de positions à atteindre, liste de positions qui provient de la partie estimation du mouvement, la partie 2, et des mesures cinématiques qui ont été réalisées avec la caméra stéréoscopique. Donc dans la fonction de coût, on visualise les coordonnées articulaires mesurées et les coordonnées articulaires de notre architecture robotique
pour qu'elle se rapproche le plus possible des coordonnées articulaires mesurées. Voilà un type de résultat, le résultat qu'on a de notre une visualisation du résultat de conception, d'optimisation, pardon. Tout à gauche, on voit la vérité terrain avec la caméra stéréoscopique. Donc là, on a un mouvement qui a été mesuré. Au milieu, le résultat d'optimisation après peu d'itérations. À ce moment-là, la tension de commande a presque atteint une valeur optimale, mais les paramètres de conception, ils n'ont été que peu modifiés. Donc nous n'avons pas encore les bonnes synergies. Et à droite, à la fin de l'optimisation, fin de convergence du vecteur d'optimisation, on retrouve des synergies qui sont proches de la main biologique. Afin de valider le modèle, nous avons réalisé un prototype. Nous avons deux validations à faire, la validation du comportement cinématostatique et la validation de la variation de raideur. Pour la mesure de la pour la validation cinématostatique, nous avons réalisé une mesure du mouvement du doigt par vision par ordinateur à l'aide de marqueurs, alors qu'il était généré une commande en accord avec la théorie pour valider les hypothèses. Dans ce cas, sur le graphe du bas, nous comparons l'évolution des coordonnées articulaires mesurées, qui sont en trait continu, et les coordonnées articulaires de la théorie, du modèle, en trait discontinu. Nous voyons la même tendance avec des écarts qui sont majoritairement dus au frottement sec. Un exemple qu'on peut visualiser, c'est la liaison interphalangienne distale, en vert, qui a des difficultés à fléchir en dessous de 10 N, puis, passé un certain palier, elle rattrape la courbe de comportement attendu. Ça, c'est la validation cinématostatique. Maintenant, il faut valider également la variation de raideur. Nous avons un problème dans notre prototype pour faire varier la raideur, c'est que le câble, il est indéformable. Il est quasiment indéformable dans les conditions d'expérience. Donc, nous sommes contraints d'ajouter un élément de déformation élastique à notre chaîne d'actionnement. Notre choix a été d'utiliser un support moteur en ABS dont les dimensions permettent une augmentation de la raideur de la chaîne d'actionnement. En effet, on voit sur la courbe de gauche que la relation entre l'effort et le déplacement est convexe. La raideur étant définie par la dérivée de cette courbe, on voit une augmentation de la raideur avec la tension de câble. Pour cette validation expérimentale, nous avons réalisé pour 3 niveaux de couple de tension de câble, c'est-à-dire 3 niveaux de contraction de câble, des tracés du déplacement du doigt en fonction de l'intensité de l'effort extérieur. Pour les deux premiers niveaux, à 10 et 30 N, nous n'avons pas de différence significative, on est dans le bruit de mesure, et ça, c'est en accord avec la théorie, puisqu'on est dans une plage à peu près constante d'élasticité du support moteur. Pour le troisième niveau, à 80 N, le déplacement il est plus faible. On a une augmentation de la raideur. Néanmoins, c'est une augmentation qui n'est pas très élevée. Nous aurions voulu aller un peu plus haut en niveau de contraction. Malheureusement, la structure d'un doigt qui était conçue, qui était censée être fabriquée en alliage d'aluminium, a été réalisée finalement en ABS et on a une résistance mécanique qui est trop faible pour mener une expérimentation avec des niveaux de co-contraction plus élevés. Une fois la structure du doigt qui est validée, nous avons continué la conception de la main entière. J'ai travaillé cet été avec un stagiaire de Sigma Clermont sur la conception de la paume de main. Il reste des points à aborder avant la réalisation, en particulier la stabilité des saisies. C'est le point le plus important car l'appréhension, c'est la fonction la plus importante à réaliser. Et également un travail sur les contraintes d'encombrement pour intégrer 3 actionneurs, l'électronique et la batterie dans la paume de main. La question de stabilité, elle est étudiée par simulation. Un étudiant de l'ENS Rennes, François May, a travaillé sur ces problèmes ces derniers mois. Il a travaillé sur les questions de simulation sur Simscape Multibody. Ici, vous voyez une simulation dynamique du comportement de la main complète. Simulation qui comprend le routage des câbles. À gauche, le routage des câbles au sein des doigts. Et à droite, la ramification dans la paume pour contrôler plusieurs doigts simultanément. Ce type de simulation il permet également de prendre en compte les frottements. Nous pouvons alors identifier les frottements présents dans le prototype et faire une comparaison entre le système réel et la simulation. Cette simulation elle permet aussi de travailler sur l'influence du routage des câbles. Ici, sur les deux images, on voit des positions de poulies de renvoi dans la paume de main qui ne sont pas positionnées au même endroit. La cinématique des doigts se retrouve impactée. Et c'est un point important car nous avons des problématiques d'encombrement qui nous imposent une partie du positionnement. Et pour terminer avec cette simulation, elle est très pertinente pour quantifier la stabilité de l'appréhension. Ici, nous pouvons voir sur la vidéo le comportement compliant de la main qui continue son mouvement de fermeture malgré le contact de l'index avec un objet à saisir. Donc, il faut maintenant choisir des objets du quotidien, une poignée de porte, un verre ou une chope de bière, pour quantifier les performances de saisie.
Voilà, en conclusion de cette partie, je vous ai présenté les principales contributions réalisées autour de la conception d'une main robotique, une partie modélisation d'une structure innovante avec un doigt bio-inspiré à câble antagoniste qui imite la structure des muscles antagonistes de la main biologique. Nous avons vu une partie élastocinématique, une partie modélisation, modification de la rigidité, et également une partie optimisation de la cinématique pour reconstruire les synergies et valider la contrainte de cosmésis. Pour terminer, nous avons vu une validation expérimentale du comportement d'un doigt. Je vais passer maintenant à la conclusion générale. Nous avons abordé deux domaines qui sont traités historiquement séparément dans la littérature, l'acquisition de l'intention pour de la commande de prothèses et la conception mécanique de mains robotiques. Après avoir analysé le fonctionnement d'une main, je vous ai présenté nos contributions autour de l'estimation de mouvement. Nous sommes passés de la classification de gestes à la régression de coordonnées articulaires, et pour ce faire, nous avons développé une nouvelle base de données et des algorithmes de machine learning. Je vous ai commenté des résultats prometteurs. Enfin, je vous ai présenté une conception d'une structure innovante bio-inspirée, calquée sur la ramification tendineuse et la co-contraction des muscles antagonistes. Cette partie contenait une modélisation, une partie optimisation et la validation à l'aide d'un prototype. Je vais passer à quelques perspectives à ces travaux. La première, sur la partie interface homme-machine, il est possible d'améliorer la quantité d'informations extraites en augmentant la fréquence d'acquisition. Des codes informatiques ont déjà été publiés sur la plateforme GitHub pour une deuxième version de la base de données où on passerait de 50 à 200 Hz. Il serait intéressant également de modifier le protocole en ajoutant des saisies d'objets, hein, comme c'est fait déjà dans la base NINAPRO. Cela nous permettrait de rajouter des mesures d'effort qui vont de pair avec l'ajout de préhensions dans la base de données. Et l'objectif, c'est de vérifier que les préhensions ne posent pas de problème sur l'estimation du mouvement. Et enfin, à noter que nous avons choisi du matériel qui est facilement disponible et peu onéreux. L'objectif, ce serait plutôt d'entraîner un modèle générique qui est inter-individu, évaluer un modèle spécifique à chaque personne, un modèle qui serait entraîné sur mesure et éventuellement plus performant. D'autres perspectives, pour terminer, j'aurais aimé avoir plus d'interactions avec des personnes amputées, hein, réaliser des mesures sur des muscles résiduels pour réaliser de l'estimation de mouvement, et retravailler le cahier des charges avec des utilisateurs de prothèses pour une meilleure analyse de besoins. Un dernier point que je considère important, plutôt que d'estimer les mouvements réalisés, je pense qu'il serait intéressant d'essayer d'estimer l'effort. En effet, la mesure électromyographique, c'est l'image d'une contraction qui génère un effort. On peut donc imaginer la pertinence d'un asservissement en couple avec le retour d'informations dans le système nerveux afférent de l'utilisateur qui permettrait à l'utilisateur de redevenir maître de l'asservissement. Il est possible que ça facilite l'utilisation. Pour terminer, quelques remerciements. J'aimerais remercier les sujets qui se sont prêtés au jeu et qui ont participé à la génération de la base de données. Les collègues que j'ai pu croiser ces dernières années à l'Institut Pascal et à l'ENS Rennes. Enfin, l'association My Human Kit, qui est une association rennaise qui fabrique des prothèses à bas coût. Et le Hub InAuvergne, qui est intervenu pour financer la fabrication de la main bio-inspirée. Et pour terminer, je remercie mes encadrants, Thierry Château, Chedli Bousgarou et Jean-Jacques Lemaire, pour leur travail pendant ces 3 années à mes côtés. Voilà, merci de votre attention. Et maintenant, je vous passe la main pour les questions.